Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que nous pouvons honorer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux saluer ton voisin, saluer ta voisine, lui souhaiter une bonne veillée, un bon culte? Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer même ton voisin de derrière ou ton voisin de devant si jamais tu en as un? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être ici ce soir? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est véritablement dans la joie d'être venu ce soir? Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 8, je vous le dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Si nous sommes venus ce soir alors que le sommeil nous appelait, alors que des occupations nous appelaient, c'est déjà un acte de foi que tu as fait. Amen. Amen. Et c'est à ça que Dieu regarde. Il ne regarde pas au fait de « est-ce que je vais trouver ma fille ou mon fils en train de dormir ? Est-ce que je vais le trouver peut-être à des occupations, au cinéma ?» Mais plutôt « est-ce que je vais trouver la foi ce soir ?» Amen. Amen. Alléluia. Alors en cette soirée, j'aimerais que nous ne soyons pas distraits, que nous ne nous laissions pas avoir par la chaleur, par la lourdeur, mais que nous puissions véritablement nous connecter au Père, que nous puissions faire de cette pièce une chambre haute en cette soirée. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un s'attend à des miracles ce soir? Amen. Amen. Est-ce que tu t'attends à la délivrance ce soir? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'attend à la guérison ce soir? Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour notre Seigneur? Pousser des cris de joie encore, parce qu'il est déjà au milieu de nous. Alléluia. La Bible nous dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il demeure parmi eux. Alors là, nous sommes déjà, si tu regardes à ta droite, à ta gauche, on est bien plus que deux ou trois. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions tous incliner nos têtes, recommander ce moment entre les mains de Dieu, que lui seul soit ton contrôle de ce moment, que lui seul règne dans cette pièce, durant ce moment, dans nos vies, dans nos cœurs. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Père éternel, Papa, merci. Merci parce que ta parole le dit, c'est toi qui nous choisis, c'est toi qui nous agrées dans ta présence. Et en cette soirée, Seigneur, si nous sommes réunis, si nous sommes dans ces lieux, Seigneur, si nous sommes là pour durant cette veillée, c'est parce que toi, tu nous as agréés. C'est parce que toi, tu nous as choisis, Seigneur. Alors merci, Papa, de nous avoir choisis. Merci d'avoir choisi mon frère. Merci d'avoir choisi ma sœur. Merci d'avoir choisi toutes ces personnes qui nous suivent en ligne, Seigneur, pour te prier. Père, nous recommandons ce moment entre tes mains. Que tu en sois l'alpha, le milieu et l'oméga au nom puissant de Jésus-Christ. Père, en cette soirée, je m'attends personnellement à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Alors prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, viens mouver au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Oui, tu règnes à jamais dans nos cœurs. Tu règnes dans ces lieux. Tu prends le contrôle de ces lieux. Tu prends le trône de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Père, fais de ce culte un culte de miracle, un culte de guérison, un culte de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque personne s'attend à toi, Seigneur. Alors Saint-Esprit, je te prie maintenant de pouvoir disposer le cœur de tout à chacun. Dispose le cœur des adultes, des enfants, de tous les serviteurs au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, en cette soirée, nous nous attendons encore à toi, Seigneur. Et je viens déclarer que tout ce que l'ennemi avait voulu faire contre ce culte soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ, soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. La lourdeur ne prend pas place au nom puissant de Jésus-Christ. La distraction n'a même pas sa place au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, prends le contrôle de ce moment. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur? Amen. Nous allons maintenant passer au moment de l'adoration afin d'élever encore le nom de notre Dieu qui est vivant, notre Dieu qui est fidèle. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 14, à partir du verset 11, « Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Amen.
Le mot adoration vient du grec proskuneo, qui signifie aussi s'agenouiller, se prosterner, marquer son obéissance à un être de rang supérieur. Alléluia. Adorer Dieu, c'est donc lui offrir le respect, l'hommage et surtout le mettre à la première place dans nos vies. Alors si ce n'était pas le cas en cette soirée, je t'invite à pouvoir déclarer encore que Dieu prend la première place. Avant tes parents, c'est lui qui a la première place. Avant ta famille, c'est lui qui a ta première place. Avant même ton mari, c'est lui qui a la première place. Avant tes frères, tes sœurs, ton travail, même avant tout ce que tu possèdes, c'est Jésus-Christ qui prend la première place en cette soirée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons d'ores et déjà rentrer dans l'adoration? De la même façon que Jonas criait dans le ventre du poisson, il adorait son Dieu dans la difficulté. Est-ce que nous pouvons avoir cette attitude en cette soirée? De la même façon que Paul et Silas étaient emprisonnés, ils adoraient leur Dieu. Est-ce que nous pouvons adorer notre Dieu en cette soirée? Est-ce que tu peux dire à Dieu en cette soirée, tu prends la première place? C'est toi qui règnes au-dessus de toute chose. Avant ma maison, c'est toi qui règnes. Avant ma famille, c'est toi qui règnes. Avant mon mari, avant ma femme, peu importe les personnes, c'est toi qui règnes. C'est toi le premier de toute chose. En cette soirée, Seigneur, nous nous prosternons encore devant toi. Nous nous agenouillons encore devant toi. Nos cœurs fléchis devant toi, Seigneur. Devant ta majesté, nos cœurs fléchis, Seigneur. C'est toi le premier, c'est toi le premier, c'est toi qui règne dans nos vies, c'est toi qui règne dans nos cœurs en cette soirée encore, Papa. Nous sommes venus pour t'adorer, non pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, non pour ce que tu fais, mais à quel point tu es grand. Nous voulons fléchir devant toi, Saint-Esprit. Nous voulons simplement profiter de ta présence, être seulement à tes pieds de la même façon que Marie avait choisi la bonne part. Nous voulons juste être à tes pieds, déposer un parfum de bonne odeur, déposer encore tous nos fardeaux, déposer encore nos cœurs, Seigneur. Oui, nous voulons encore déposer nos couronnes d'adoration à tes pieds. Alors prends le contrôle, Papa. Prends encore le règne de ces lieux. Prends le règne de nos vies. Prends le règne de nos cœurs, Saint-Esprit. Nous voulons encore t'adorer, non pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Parce que tu es magnifique, glorieux, grand. Oui, parce que tu es incroyable, Jésus-Christ. Oui, parce que nous t'aimons, Seigneur Jésus. Oui, je t'aime, Seigneur Jésus, et c'est pour ça que je dépose encore à tes pieds mon cœur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous déposons encore nos cœurs. Nous déposons encore nos cœurs. Nous nous livrons encore totalement à toi. Nous nous livrons encore totalement à toi. Nous déposons un parfum de bonne odeur. Nous déposons nos âmes entre tes mains dans cette soirée. Alors prends la première place. Prends la première place, Saint-Esprit. Contrôle ce moment, Saint-Esprit. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Papa. Prends ce chant, Seigneur, comme une adoration. Parce que tant que tu mets un souffle en nous, Seigneur, nous ne cesserons de t'adorer. Nous voulons encore t'adorer, t'adorer tous les jours de notre vie, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas meilleure place qu'être à tes pieds, Seigneur Jésus. Aucune meilleure place qu'être devant toi, que d'être dans tes parvis, Seigneur. Alors nous voulons encore dire que tu es merveilleux, que tu es grand. Jésus-Christ est son nom. 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 Jésus-Christ est nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier.
Saint-Esprit est son nom. Saint-Esprit est son nom. Saint-Esprit est son nom. Saint-Esprit est son nom.
Seigneur, fais-moi voir.
Comme une bannière dans ta vie, que de loin les mondes s'aperçoivent que le Seigneur Jésus-Christ est glorifié dans ta vie, de loin ou de près, que les gens voient que le nom du Christ est célébré et élevé dans ta vie comme une bannière. Seul le nom de Jésus s'élève dans ta vie. Seul Jésus-Christ s'élève en ces lieux. Seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Thank you.
adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Alléluia. Shalamassé. Je veux expérimenter ta présence, Seigneur, aujourd'hui, Saint-Esprit. Alors viens au milieu de nous, Seigneur. Prends la totalité de ce lieu, Esprit de Dieu. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose, il est là, il est là, il est là au milieu de nous. Alléluia, Seigneur, manifeste-toi, manifeste ta présence. Tes enfants ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Si nous sommes là, Esprit de Dieu, c'est pour toi. Si nous sommes là, Esprit de Dieu, c'est pour toi, Seigneur Jésus. Nous voulons plus de ta présence, nous voulons plus de toi dans nos vies, Esprit de Dieu. Alléluia, prends la totalité de ce lieu, Seigneur Jésus. Viens agir, Saint-Esprit, viens agir au milieu de nous, Seigneur Jésus. Viens agir au milieu de nous, Saint-Esprit, viens agir dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur, sans toi, nous sommes rien. Manifeste ta présence, manifeste ta gloire. Alléluia, tu dis de recevoir la louange et l'adoration. Alléluia, que cette adoration, Seigneur, puisse atteindre ton trône de gloire, Seigneur. Que cette adoration, Seigneur, puisse atteindre ton trône de gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, remplis-nous de ta gloire, Seigneur, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta présence, Seigneur Jésus, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, Seigneur Jésus, en cette soirée, nous voulons que tu puisses encore nous remplir, Seigneur, nous sommes comme des vases vides, Saint-Esprit, en cette soirée, nous sommes comme des vases vides dans cette soirée, alors dis-lui, Seigneur, remplis-moi, Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit. Alléluia. Sois loué, sois exalté, Seigneur Jésus. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure, tant que tu donnes un chant, je te donne mes mouvements, je promets à chaque instant chanter avec les anges, quand il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière, la grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, que ma vie te plaise à jamais, que ma vie te plaise à jamais, que chaque jour, que chaque jour je meurs à tes pieds, alléluia, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Garde ton ciel ouvert sur moi.
puisse méditer sur ces paroles. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, Seigneur, je m'offre à toi. Prends tout de moi, Saint-Esprit, je m'offre à toi, je me livre totalement à toi. Dis-lui quelque chose, médite les paroles de cette chanson. Alléluia, reste concentré. Dis-lui quelque chose, dis-lui Seigneur, je m'offre en sacrifice en cette soirée. Je m'offre tout entier, Seigneur. Prends tout de moi, Saint-Esprit. Prends tout de moi, Seigneur. Prends la totalité de ma vie. Prends mon cœur, Seigneur. Prends toute ta place dans ma vie, Seigneur Jésus. Prends la totalité de ma vie, Seigneur. Je me livre totalement à toi, Saint-Esprit. Je m'offre en sacrifice auprès de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Viens nous remplir, Esprit de Dieu. Viens nous remplir en cette soirée, Esprit de Dieu. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. La grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te blesse à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. En sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie, oh, dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Disons tous ensemble la grande prière. Alléluia. La grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Aide-moi. À jamais, Seigneur, à jamais. Que chaque jour je meurs à tes pieds. Yeah.
un chant de ta mélodie à chaque instant. À chaque instant, je te chanter avec mes mains. Seront jamais de t'adorer. Oui, même là où il y a les difficultés, Seigneur, nous voulons encore t'adorer. Nous voulons encore dire, Seigneur, que tu es au-dessus de toutes choses. Père, tant que tu mettras un chant, nous t'adorerons. Tant que tu mettras le souffle de vie en nous, nous t'adorerons. Chaque jour de nos vies, nous t'adorerons, Seigneur. Peu importe les tempêtes, peu importe les situations, Seigneur, nous voulons t'adorer. Même dans les difficultés, nous voulons t'adorer. Même dans les tempêtes, nous voulons t'adorer. Oui, peu importe la pauvreté, peu importe ce qui se passe, peu importe les problèmes, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons que nos yeux soient posés encore sur toi. Nous voulons demeurer encore à tes pieds. Tous les jours de notre vie, Seigneur, nous voulons t'adorer. Sois encore élevé, Papa. Est-ce que tu peux encore adorer ton Dieu? Est-ce que tu peux encore élever la voix? Est-ce que tu peux lui dire encore ce qu'il représente pour toi? Est-ce que là où peut-être tu étais resté loin de lui pendant un temps, tu peux revenir face à lui? Est-ce que tu peux revenir à ses pieds? Est-ce que tu peux revenir à ses pieds? Est-ce que tu peux l'adorer? L'adorer en esprit et en vérité? L'adorer avec ton cœur? L'adorer selon ton âme? Selon ce que ton âme crie? Est-ce que tu peux encore l'adorer? Est-ce que tu peux dire à quel point il est merveilleux? Est-ce que tu peux dire à quel point nul n'est comparable à lui? Est-ce que tu peux dire encore en cette soirée que personne n'aurait pu prendre sa place? Personne n'aurait pu faire ce qu'il a fait pour nous? Oui, c'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui est mort pour moi. C'est lui qui a enlevé le péché. C'est lui qui a enlevé la condamnation. C'est lui qui nous a retirés de la misère. Il nous a retirés de la boue, il nous a lavé, il s'est sali pour nous, il a été humilié pour nous, on lui a craché dessus pour nous, il a bu de la bile pour nous. Est-ce que tu peux élever ton Dieu? Est-ce que tu peux encore élever ton Dieu? Est-ce que tu peux sincèrement prendre le temps d'adorer ton Dieu? Celui qui chaque matin pense à toi. Celui qui chaque matin te montre le soleil. Celui qui te donne le souffle de vie chaque matin. Est-ce que tu peux encore l'adorer en cette soirée? Est-ce que tu peux encore lui dédier ton adoration? Est-ce que tu peux dire à quel point tu l'aimes en cette soirée? Oui, Père, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous te mettons au-dessus de toute chose. Nous te mettons au-dessus de toute situation. C'est toi qui prends la première place encore. Oui, Seigneur, nous voulons encore que nos vies soient un parfum de bonne odeur pour toi. Oui, nous voulons encore te dédier nos vies. Nous voulons encore déposer nos cœurs à tes pieds. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu à cette soirée? Non pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Celui qui ne t'abandonne jamais. Celui qui combat pour toi même lorsque tu n'en as pas conscience. Celui qui est 100% disponible pour toi. Celui qui est sans. Celui qui est incomparable. Celui que personne ne peut mesurer. Est-ce que tu peux encore l'adorer? Lui dire à quel point tu l'aimes. Lui dire à quel point il est grand. Lui dire à quel point tu as besoin de lui. Lui dire à quel point tu as besoin de sa présence. Lui dire à quel point il est bon pour toi. Oui, Père, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. À qui irais-je, Seigneur? À qui irais-je, Seigneur? Même lorsque nos familles nous tournent le dos, toi, tu es toujours là, Papa. Même lorsque nos amis nous tournent le dos, toi, tu es toujours là, Papa. Même lorsque nous pensons être seul, toi tu demeures toujours là, Papa. Que ce soit dans le péché ou pas dans le péché, toi tu es toujours là, Papa. Même lorsque nous sommes loin de toi, tu es toujours là, Papa. Oui, tu nous abandonnes jamais. Nous élevons ton nom, prie. Comme une bannière dans les cieux.
Que toute chose, oui, c'est toi Jésus-Christ, ton nom est au-dessus de toute chose, ton nom est au-dessus de tout problème, ton nom est au-dessus de toute tempête. Oui, Jésus-Christ, tu règnes, Jésus-Christ, tu règnes, Jésus-Christ, tu règnes. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons acclamer ce nom au-dessus de toute chose? Ce nom que personne ne peut surpasser, ce nom qui est incomparable. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus-Christ? Le cri de joie pour le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le louer encore? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Jésus-Christ? Pousser des cris de joie. L'acclamer encore. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni durant ce moment? Amen. Est-ce que tu peux encore juste saluer ton voisin, saluer ta voisine? Est-ce que tu peux le motiver en cette soirée? Amen. Est-ce que tu peux lui sourire simplement? Est-ce que tu peux faire juste un sourire à une personne derrière toi? Amen. Même si tu ne connais pas cette personne, est-ce que tu peux créer un lien? Amen. Je pense que nous allons passer à la louange. Alléluia. Dieu se manifeste dans la louange et dans l'adoration pour et uniquement pour lui. Et Dieu n'a même pas besoin de nous pour être loué. Amen. Il s'auto-suffit. Mais de la même façon que Paul et Silas étaient emprisonnés, ils ont loué leur Dieu, ils ont été délivrés. En cette soirée, nous voulons également louer notre Dieu, danser pour lui, danser pour le roi des rois, celui au-dessus de toutes choses. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut danser ce soir? Non, mais quand même, est-ce qu'on peut le dire sérieusement? Il faut danser ce soir. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne me calcule pas ce soir? Amen. Est-ce que tu peux dire, je vais danser comme David? Je vais percer comme David. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Amen. Alors si c'est le cas, tu peux encore pousser des cris de joie, des cris de joie. Amen, amen, il est merveilleux. Amen. Nous prions à Dieu vivant, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons briser des chaînes ce matin. Nous allons briser des chaînes ce soir. Qui le croit? Qui le croit ce matin que nous allons faire tomber des chaînes? Pousse encore des cris de joie, des cris de joie. Alléluia, il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux.
Il a permis que vous et moi, nous puissions encore nous rencontrer ce soir. C'est pourquoi nous allons le louer. Amen. Nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu vivant. Amen. Nous prions un Dieu vivant. C'est pourquoi nous nous permettons d'être dans la joie. Amen. Nous ne prions pas un homme, mais nous prions un Dieu vivant. Alors, est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. On y va, on y va, on y va. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. D'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Des cris de joie, des cris de joie. Pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus?